Ils ont couché la nuit, hein? Samedi. Dimanche, le pasteur est entré dans le culte, il n'a pas voulu prêcher. Il était trop pensif. Au milieu du culte, il a commencé à sentir de la fièvre. Il a dit aux anciens, conduisez le culte jusqu'à la fin. Moi, je vais me reposer. Et après le culte, les gens sont allés le voir. La fièvre montait sérieusement. Avant même qu'on s'arrange pour l'amener à l'hôpital, à 15h, le pasteur est mort. C'est après une année que cette femme va faire le témoignage. Comment le pasteur, nous sommes allés au cimetière, on pleurait cet homme de Dieu là, on ne savait pas que le pasteur, on l'a envoûté avec le sexe. Vous les hommes de Dieu qui êtes dans cette salle, je vous en supplie, moi aussi serviteur comme vous, ne touchez jamais à ce péché. Il y aura des pasteurs qui vont vous encourager, les fourbes, les gens qui ont renié la foi depuis, ne faites pas ça, vous allez vous détruire. J'ai beaucoup d'années en Jésus, hein. Même certaines personnes qui s'appellent Père ici, ils nous ont trouvé en Jésus, nous autres. Chaque fois qu'un pasteur commence avec le sexe, la fin c'est toujours catastrophique. Imaginez-vous, un blanc est venu nous prêcher à Lubumbashi. Il a appelé 500 couples pastoraux. Là-bas, il n'y avait pas question de pasteur avec bulletin théologique. Non, il faut être pasteur d'une paroisse. Nous sommes entrés dans cette salle-là. Le pasteur là blanc, c'est un Suisse. Il a commencé à prêcher. Et vous savez que les blancs sont sérieux quand il faut être sérieux. Tellement que l'onction est descendue, mes amis. J'ai vu le blanc devenir rouge. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Ce blanc-là a pris la Bible. Il a dit, vous êtes 500 pasteurs ici. Je jette cette Bible. Que celui qui n'a jamais connu une autre femme, depuis qu'il s'est converti, il n'a jamais connu une autre femme que sa femme, qu'il vienne traverser cette Bible. Mes amis, j'ai vu la toute première personne. Mon père, Kabange Mulongo. Papa, à l'époque, il avait 72 ans. Il marchait avec fierté. Il a dépassé la Bible. Et il a dit au blanc, moi, je n'ai jamais fait ça. Mes amis, puis on a vu un deuxième pasteur. Un jeune. Il est venu. Il a dépassé la Bible. Nous avons commencé à attendre. Une troisième. Jusqu'au moment où je te parle. Imaginez-vous sur 500 pasteurs. 500. Il n'y a eu que deux pasteurs. Ils n'ont jamais connu notre femme. En dehors de la leur. Je vous dis, culte naisha. Le culte est fini. Je n'avais jamais senti la chair de l'autre. Il y a personne qui pouvait saluer l'autre. Il y avait personne qui pouvait parler à l'autre. Un calme de cimetière. Kimia yamakaburi. Et tout le monde sautait comme s'il est mouillé. Le lendemain, na kesho yake, nous sommes allés rencontrer un des pasteurs de Lubumbashi. Il m'a dit, papa Esras, ce blanc-là, il se prend pour secrétaire de Dieu ou comment? Moi, je ne voulais pas me montrer. Mais si vous parlez de jolie, j'ai dit non, tu n'as pas su. Tu as dit, tu trompes avec la femme d'autrui. Habité, habité. Salut.
savez, c'est ce jour-là que j'ai compris que ce que nous appelons les hommes de Dieu ici. C'est au niveau des pasteurs, c'est comme ça. Allons au niveau de à gauche. Tu sais, ça va imbachi. À gauche. Allons au niveau de. Tu es de quoi tu vas imbachi? Les chantres. Va imbachi. Là, c'est la FIFA. Il est déjà FIFA, y a Boucharati.